Petit mot de Marine Le Pen, Xavier Bertrand, qui, on l'a vu, a quand même largement gommé beaucoup d'aspérités, beaucoup de points de son programme qui faisaient peur. Il n'y a plus de sortie de l'euro. Elle nous a dit qu'une dette, ça devait se rembourser. Elle arrondit les angles pour vous ? Son projet est toujours... Un commerce dans lequel vous n'allez pas depuis des années, parce que vous savez que ce qui s'y vend ne vous plaît pas. Il change la vitrine. Vous rentrez quand même dans le commerce ? Donc c'est juste la façade qui a été ripollinée. Oui, évidemment. Ça veut dire que c'est toujours un programme d'extrême droite. Évidemment. Et qui ne tient pas la route. Donc ça veut dire, qu'est-ce que vous ferez? Non, mais économiquement, il est quoi économiquement? Quel effet il aurait? Mais c'est tout simplement un affaiblissement d'un pays comme le nôtre. La question aussi de la confiance pour les investisseurs nationaux et internationaux. Ça serait une calamité, internationaux. Encore une fois, économiquement. Attends, qu'est-ce que j'ai besoin d'être dans les superlatifs? Les Français, vous savez, n'ont pas besoin de moi pour se faire leur point de vue. Aujourd'hui, on voit dans les intentions de vote, mais ce n'est pas les sondages, que nous aurons le résultat dimanche prochain. On verra si les Français, au final, se disent quel est le projet qui tient le plus la route. Quelle est la personnalité qui saura faire. Qui aura une équipe derrière. Prenez notamment Mme Le Pen. Qui en a autour d'elle, là, à faire une équipe avec qui? M. Bardella. Nous, il y a une véritable équipe autour. Et puis après, il y a aussi autre chose quand on a un projet. Il faut avoir une majorité parlementaire pour mettre en place. Valérie Pécresse, c'est la seule qui aura, entre les Républicains et l'UDI, une vraie majorité parlementaire. Elle est là, la réalité. Et c'est vrai, là où vous avez raison, c'est que dans cette si drôle campagne, passer ces éléments de solidité, de sérieux, d'espoir également, c'est pas la chose la plus simple. Ça, vous avez entièrement raison.